Mesdames et messieurs, bonjour, c'est BFA. On se retrouve pour une vidéo Clash Royale avec Madino. Salut. Salut. Ça va bien? Bah plutôt bien, ouais. Et toi? Ouais, nickel. Alors on se retrouve aujourd'hui pour encore un deck des nouvelles méta, de la nouvelle méta, des familles. Avant tout, petit concours visite de clan cette fois-ci. Voilà, il faut votre hashtag de clan dans les commentaires de la vidéo avec votre nom de clan, votre pseudo. Ensuite, il faut être abonné à la chaîne, c'est important, c'est un concours abonné, c'est pas un concours pour les gens qui sont désabonnés. Donc petit, voilà, petit truc ici, vérifiez que vous êtes bien abonné, petite clochette pour avoir les notifs des futures vidéos. Voilà, et je viendrai vous voir comme ça m'arrive de temps en temps. Je quitte le clan 10-15 minutes, je fais coucou, salut. Salut, ça va, éventuellement on fait une game et on s'éclate, on se rapproche un peu les uns des autres avec les abonnés, plus de complicité. Mais aujourd'hui, on est là avec Madino pour vous présenter un de ses decks. Nouvelle Je tendance, lance. voilà. J'ai envie de dire nouvelle tendance ou vas-y, ou alors retendance pour lui parce que il était déjà avec à l'époque C'est de. un deck que j'ai très apprécié, donc qui a eu quelques modifs, mais les bases sont les mêmes que mon ancien deck. Oui, voilà, avant que le géant poison devienne la méta qui avait succédé, tu jouais beaucoup ce deck-là, Ouais. mineur fournaise. Alors tu jouais pas avec le... Pardon. Ah, le miroir. Donc là, tu as Non. décidé de jouer miroir. Ouais, je trouve que ça peut être miroiter la double fournaise ou double mineur, ça peut être très intéressant. Ouais, double mineur zap sur la fin. Je sais pas si t'as un zap dans ton deck, j'ai pas fait gaffe. Ouais, j'en ai un, ouais. Des fois, il y a des fins qui peuvent être fort, un bon petit forcing comme ça. Ah, la mousquetaire. La mousquetaire, qui fait plaisir. Avec la méga gargouille. Qui me paraissent... Enfin, après, je sais pas, mais c'est vrai que pour les dé pour, si tu tombes contre un deck aérien, c'est quand même bien d'avoir sa petite méga gargouille et sa mousquetaire. Alors, ça aussi, c'est pas mal de foudre sur... Ouh là là, par Hop contre. là, on défend. Donc là, Voilà, son... pile Donc on peut poil. utiliser son rage un peu pour. Mais c'est bien, t'économises ta mousquetaire qui est bien avec une petite garde. Là, on Ah, va jouer petit mineur, mineur voilà, comme pour ça qu'il arrive. Il va jouer. banquer tout ça. Et normalement, il a plus trop d'élixir, donc je zappe tout ça. Et là, bah, il perd. Et un zap à temps, donc du coup, là, l'armée de squelettes a été useless. Et c'est pas mal. Je Donc là, rêve ou il la joue. Ah fournaise. oui, il joue rage en plus, j'ai même pas fait gaffe, mais il joue sort de rage le mec. Donc j'ai sacrifié un peu ma fournaise parce que j'avais que ça pour sacrifier. Même en me prenant un coup, quoi, c'est n'importe quoi le prince. Ouais, bah alors là, t'es, du coup, vous êtes amochés un petit peu tous les deux là, mais moi je pense que je te sens bien Mais là-dessus. j'ai ouais, j'ai plus de points de vie que ces deux tours, donc c'est Il tranquille. joue sorcier quand même, hein. Il joue sorcier, rage. J'ai le contre de son. Enfin j'ai le contre. J'ai la fournaise, le foudre pour ces trois mousquetaires, donc je suis assez large. Il serait fort le sorcier s'il était à 4 d'élixir. Là, ce serait peut-être un Tout, peu abusé. tout. Oh, joli! Oh, la Donc foudre! là, Alors bah. là, ça, c'est une très bonne value. Donc il pourra 6 contre jamais. 9, 8, je sais plus, non 9. Des petites gardes toujours aussi fortes. Hop là, Donc là, ça passe bien, pas de on coup, va très commencer à bien. s'installer. Petite installation, donc un petit peu la disparition de l'extracteur d'élixir. Ouais, parce que le petit. Un peu Sheros maintenant. Hein. Bah c'est ça. Ça devient plus trop rentable. Ouais, même si on le défend bien, c'est quand même voilà, c'est quand même pas easy. C'est quand même effectivement bien dangereux de placer son extracteur en début de game. Il peut y avoir un contre tout de suite violent qui arrache une tourelle. Alors là, qu'est-ce que ça donne là? Ouf, sort de rage, attention. Et la petite foudre qui arrive très bien. Donc là, on va jouer mineur de l'autre côté. On va viser deux étoiles, hein. Ah, c'est l'autre série ça. Mais c'était bien. Eh, très bien d'ailleurs, faudra qu'on le refasse, mais c'est très dur à faire quand même, hein. C'est pas simple. Hein. Et là il est bien esquinté des deux côtés, ouais c'est plutôt pas mal. Hein. Là t'es bien, on est dans l'extra time en plus déjà. Ouh, tu peux finir Bah là là. Ah bah je tu peux sais finir à la... j'ai Ouais je sais que j'ai ouais. gagné easy quoi donc Ouais, tu peux l'achever de diverses manières. Du mineur, de la foudre. Hop là, petit mineur à droite. Allez, on va pour faire durer le voir. plaisir. Hop. Ça. Tac, l'agonie. Hop. Et là, petite foudre. Non. Allez, encore agonie. Et il veut l'avoir à la... Je veux essayer Esprit de le de feu. choper au. Ah! 11 Bah PV. vite, faut que je C'est fasse ça. tourner. Faut vite que je fasse tourner. Faut qu'il défende sur sa tour là. Vas-y, défends les trois. Vas-y, défends. Descends. On Oh, défend rien. il est pas joueur. Ah, Il est il est pas pas joueur. joueur.
Parce que j'aurais pu Ouais, t'aurais avoir. pu troller. Mais attends, attends, attends. Je veux te voir contre un Molosse, ça va être drôle. Ça va être drôle, On veut du ouais. Molosse. On veut le voir souffrir contre de l'aérien. Allez, c'est Titi contre Awat. Ah, what? Ah, Zappy, ça faisait longtemps. Ouais, j'ai un bon contre aussi pour le Zappy, j'ai les gardes. Il y a les gardes, il y a la foudre, il y a quoi d'autre? Il y a la méga gargouille. C'est ça, j'ai plein. Donc là, il joue géant, Géant donc. Zappy à l'ancienne. Donc je vais jouer les gardes. Voilà, petite. Ah, qu'est-ce qu'il a mis là? Les. Hop là, je défends facile. Et là, Il a vite, tire pas, tire pas. tiré quand même, hein. J'ai Eh, pas il eu de a. chance quoi, j'ai pas eu de Eh, il t'a chance. esquinté quand même, hein. Eh, bien relou, eh, il est obligé à utiliser le mineur en plus sur la princesse, eh ouais. C'est ballot, ça fait mal hein, quand ça passe. Hein. J'ai pas eu de chance quoi. J'ai ça genre 0 ou 1 seconde trop tôt. Bon, il Bon, remet ça maintenant sur je le sais tapis. que je vais utiliser mon foudre, hein. Ouais. Ça passe, ça élimine direct, je sais même pas moi. Donc là, on va foudre. Non, ah ouais, quand même résistant le Zappy, hein. Ouais, il est tanky, quoi. Ah, il est très tanky, ouais. Bon, là ça va, on a limité les dégâts, quoi. Ouf, quoique. Quoique la princesse relou. Bah ouais, je sais pas si joue un sort ou quoi. Donc on va Bah, il y voir. a deux cartes mystères encore chez Donc lui. le sorcier. Ouais, plus qu'une. Qu'est-ce que ça peut être? Poison, je pense pas, quand même, il l'aurait joué avant. Bah, ça doit être, ouais, une sorte Peut-être de. boule de feu ou. Ouais, ou même Une roquette carrément. roquette. Roquette zap, tu crois? Eh, il a pas joué de Bah, zap non, en fait. s'il jouait roquette, je pense qu'il aurait pas joué son zappy là. Hein. Je pense pas que c'est roquette. Sinon, il aurait envoyé déjà. Enfin, je veux dire, il pourrait la garder pour l'envoyer. Là, il joue toujours sur la même lane. Donc, ça me paraît pas probable que ce soit le. Que ce soit la roquette, non, peut-être une boule de feu ou. Je sais. Ouais, non, ça c'est toi, ok. Attention là. Ça commence à être tendu, la game commence à être tendue! Donc il joue esprit de feu en fait. Enfin j'ai vu des esprits de feu donc. Ouais, mais c'est pas la carte mystère. Ah bon? Surprise, non, non, non. Il reste une carte qui n'a pas été montrée. Ouais. Et je ne sais pas. Attention là-dessus, le sorcier. Faut Le pas qu'il sorcier. passe. Ouille, ouille, oulala, 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 7 secondes. Aïe, Non, et non. ça va faire mal. C'est fini. Oh, C'est tristesse. le coup de zappy qui met, sinon il gagnait pas quoi parce qu'il avait plus touché ma tour. Eh ouais, mais après. Eh ouais, bah c'est ça. Hein. C'est le C'est sans genre zappy là. Zappy. Ah, allez, il faut se venger. Là, il est parti déjà. Il est déjà parti très loin. Non mais Dans son une autre deck game. le contrer facilement, c'est juste ce point où il met je sais pas, ça met quoi 600 800 de dégâts. Bah, il t'a Et on descendu fait à 700 et quelques dès le début, quoi. Donc, il t'a fait mal. Bah, c'est il y a eu les pas coups des géants et oui. puis le coup de Zappy. Donc, ouais, ça a fait mal. Il Ça me a fait touchait plus, très très sinon mal. juste ouais le petit j'ai dû zap un chouïa mais genre une microseconde trop Bah, tôt. après toute la game, il t'a pris 300 PV, pas plus, ouais. Mais c'est. Ah, il se venge avec sa double fournaise. Il veut gratter d'entrée. Et on retrouve un petit géant. Ah, mais c'est un level 8, ça. Qu'est-ce que c'est que cette game là? Oh, rendez les sous. Ah, faut Et que tu. alors il joue géant, Ah, il y a pas. faut que tu la joues très vite celle-là. Ah, celle-là faut la jouer très vite là. Bah j'ai gagné donc c'est bon. Voilà. Allez, dis que t'as gagné tout de suite. Tac, part en 3. Voilà. Non, parce que là, level 8, c'est pas possible. On peut pas. Non, 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 non. On tourne, monsieur le coréen. Je crois que c'est un coréen, non? C'est un drapeau coréen, ça, non? Ouais, c'est un jaune. C'est un. Je sais pas. Mais non. Oui. Il y a le contour jaune. Allez, 2000 PV. Allez. On envoie de la L'armée fournaise. d'esprit des feux. Voilà. Allez, finis ça tout de suite là. Il nous. Ah, il y a du monde sur la game en plus. Ouais, GG, level 8. Ah, pas juste. Hein. Et Pauvre pas level de 8. pitié pour ceux qui jouent géant, hein. Pas de pitié pour ceux qui jouent genre, même s'ils sont level 8. C'est dur quand même d'être level 8 et de jouer les défis. Hein. Bah, pas tellement, hein. Tu sais, en ligne, des fois, je tombe contre des mecs niveau 10 qui ont un niveau de moins que moi, niveau Oh, mais quand même, sur du géant KP. poison, qui jouait géant poison prince, ils me battaient, hein.
Ça empêchait pas. Ouais, mais à la limite, j'ai envie de dire qu'un level 10, il peut avoir des cartes comme un level 11, des fois, s'il a des épiques 5, il peut avoir. Il peut avoir épique 5, rare 8 ou 9, c'est possible encore. Mais là, quand même, level 8. Aïe. Voilà, c'est fini. On Très a bien. pied Non, ça, on fouillé. n'en compte pas, ça, messieurs, on n'a rien vu. C'était la petite transition. Voilà. Et maintenant, on Allez. veut voir du. Voilà. Bah encore un niveau 8. Non, c'est pas possible. Oh, ils veulent nous pourrir la vidéo, dis donc. Qu'est-ce qui te prend Allez, tu chier dois ce niveau gagner 8? en 1 minute. Oh, 1 minute. Allez, il doit rester. Comment on dit? On dit qu'il doit rester. Oh, 1 minute, ça va être dur. On va dire qu'il En reste. Il doit plus, rester. c'est un spawner quoi, donc. Il doit rester 1 minute, on va dire. Tu vois, là, c'est fin dans 2 minutes 37. Il faut qu'il reste. Faut que tu finisses avant qu'ils disent il reste dans 1 minute. Donc ça te laisse 1 minute 30. Allez, défi lancé. Allez, défi lancé, on y go. Voilà. Ah, l'adversaire a quitté le combat, c'est parfait ça. Ah oui, ça c'est bon, mais c'est pas le cas là encore. Si, il a quitté. Bah, j'ai pas vu le message, moi. Moi, j'ai vu le message. Ah, c'est peut-être faisable, très bien. Allez. Quitter le combat, c'est bien, mais c'est cool, c'est peut-être qu'il regarde la. Voilà, bah, je vais réussir ton challenge normalement. GG contre un AFK, bravo! Du grand Ouais, Madino bah tu l'as aujourd'hui! pas vu, peut-être qu'il est pas AFK quoi. Non, 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 mais là, il se passe pas grand-chose de son côté, là. Peut-être qu'il a juste Allez, la pas. mousquetaire, Inch, Hatch, allez. Ouais, là, 1, 2, et c'est bon. Allez. Voilà. Bon, ça fera une double transition dans cette vidéo. Très agaçante, hein, cette double transition. Mais après, je pense que c'est parce que je suis en défi, mais à 10 gemmes. Ouais, c'est sûr qu'il y a un peu plus de gens qui peuvent jouer les volutes à ces 10 gemmes. Mais j'en ai. Niveau 9. Moi, ça m'est jamais arrivé, je crois, de rencontrer 2 level 8 d'affilée. Bonne chance. Allez, go. Bonne chance. Donc on va jouer le Mais tu sais mineur. que moi, j'ai eu une légendaire hein, dans un coffre de défi à 10 gemmes. T'as une légendaire? Ouais, je suis un mineur. Sur une série à 10 victoires, et il y avait une légendaire dedans, ça fait plaisir. Ouais, c'est sûr qu'une légendaire. Une légendaire à 10 gemmes, je crois que c'est pas mal. Ah, golem de glace! Level 4, mais je crois que moi je l'ai pas plus que ça. Non. Ah non, je crois avoir level 6 moi. Non, je l'ai level 6, j'ai acheté le pack. Donc le petit up du golem de glace là Ouais, qui a ralenti. qui stun enfin ralentit aérien aussi. Enfin, je trouve. C'est plutôt une bonne idée. Enfin je trouve toujours que c'est bidon quoi, mais Ah, t'as pas kiffé encore? Moi je l'ai pas joué encore. non mais c'est une carte inutile quoi, elle a pas de points de vie, elle focus les bâtiments. Bah, c'est un mini tank, ralentisseur, ouais, je sais pas, c'est comme un petit esprit de classe, mais on a deux d'élixir quoi. Je m'excuse, toujours malade dans cette vidéo. Ah là là. Alors, Là, il joue sa bûche, il va préparer. je suis pas bien moi. Ouf. Pardon. Donc Je vais là, essayer de son se remettre sur push, pied. vraiment. Tout le temps, ça va être tout le temps la même chose, ça va être golem de glace et cochon, donc c'est un push qui se contre super facilement. Ouais, je trouve ça. Ouais, golem de glace cochon, j'avais essayé en. J'avais essayé, sauf qu'à chaque fois il se faisait péter mon golem de glace, donc c'est le cochon qui passait derrière. Mais j'ai. Ah, si, remarque, ça pousse. Ah oui, ça pousse un peu quand même, ça pousse un peu. Ça peut... Ouais, il a peu Ouais, tourné. ça. Ah, regarde, c'est pas mal, regarde, c'est pas mal. Ça a mis un peu plus de coups de. Je crois qu'il a dû gagner un coup de cochon supplémentaire, hein. Un ou deux, non? Mais c'est l'esprit de glace, il a joué esprit de glace derrière en fait. C'est l'esprit de glace qui a poussé tout ça, là? Non, enfin, Ouais. je veux dire, c'est le. Non, le cochon a quand même bien accéléré le golem. Et après, non, il y a eu un effet ralentissement quand même sur ta mousquetaire et tout, c'était profitable. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. La petite foudre qui fait plaisir. Hop, voilà, il refait. Il passera Ah bah non, jamais mais en là, tu fait, vois, donc là, il l'a pas poussé, là, il est passé par-dessus, tu vois. Ça aurait été drôle qu'il le pousse jusqu'à la fournaise. Là, il le repousse, tiens, t'as vu? C'est marrant, cette mécanique, hein. Un coup, il est passé par-dessus, et un coup, il l'a repoussé. Il y a des petits comportements un petit peu étranges. après c'est un monstre qui est comment dire Un qui est monstre. ah il joue Rocket, ok. Ouh, attention. Attention parce que là il t'a descendu à 800. S'il fait des bonnes défenses, il peut la jouer Rocket Rocket quoi. C'est ça. Ouais.
Alors, ouh, ça va être un. Ah là, c'est pas mal, là, c'est pas mal, là, c'est pas mal. 738, attention. Il est. Eh ouais, mais là, j'ai peur qu'il t'en mette une autre dans la tranche, là. Et moi, à mon avis, il va t'en mettre une autre dans la tranche, là. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait, là? Non, mais je suis large, je suis large. Non, il est alors. Ouais. Je suis large. Moi, je trouve pas large. Mais Oh, bien oh, sûr ça va que si. passer. Oh, ça passe. Petit esprit. Oh, bien joué. J'étais large parce qu'il était à deux roquettes et en fait, comme mes cartes étaient moins chères, il était obligé de tout le temps défendre en fait. Et Allez, une petite. il pouvait Petite. pas Voilà. lancer sa roquette à 6, quoi. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Petite dernière. Petite dernière. Pour confirmer le deck, hein, voilà, parce qu'on a eu quand même deux batailles de level 8 qui nous ont un peu pourri la vidéo, donc on va essayer de se remettre avec celle-là. Allez, Donc il joue Fournaise aussi. voilà, ça c'est très bien, Fournaise contre Fournaise. Donc on va foutre le tout. Hop là. Ça c'est pas mal. Et là, Il est content. juste à partir de là, on sait qu'on a gagné. Et alors le petit combo lui aussi de son côté, les gardes là qui sont magnifiques parce qu'elles vont gérer tout ça en même temps avec un petit zap. Pour battre les esprits de feu là, parce que sinon ils allaient mettre dans le mal. Ouais. Donc là, on a vu à peu près son push, en fait, ce qu'il avait comme. Ouais, ses Mais mécaniques de push. il a mais c'était toi aussi il était pas comme ça ton deck avant mineur fournaise hein. Si, mais je jouais poison. Ah tu jouais poison, c'est vrai à l'époque tu jouais poison, non c'est pas le même. Parce que mini P.K. et esprit de feu, je me demandais si non quoi que tu jouais peut-être pas esprit de feu toi. Non, je jouais pas esprit de feu. Ah, il joue. Et joue Ok, bah aussi. vas-y, je vais lui rendre. Hein. Ah, Hop là. sympa! Ça Sauf foudre, ça que foudre. bah, lui en fait il est obligé comme en fait c'est moi qui mène le jeu, donc je mène sur sa tour, il est obligé de mettre le foudre donc sur le côté où j'ai mes fournaises en fait. Et il a tapé deux tours en fait. Et c'est pas. J'ai deux Bah tours à là, il 2000 points arrive. de vie, lui il a une tour à 700 en fait. Et là, il Donc n'arrive pas du tout à placer des dégâts, hein, faut dire ce qui est. il arrive pas en fait. Quand on mène le jeu comme ça, en fait, c'est à nous de. D'imposer où on attaque, quoi. Et c'est ça qui mène un peu, même quand on est des fois justement dans sa position où on perd un peu, La meilleure défense, c'est c'est. l'attaque. Faut essayer, ouais, faut essayer d'inverser en fait la tendance, faut essayer de qu'on impose nous notre jeu, d'imposer le jeu sur la côté, le, de notre côté, on n'a pas pris les dégâts, pour lui le forcer à défendre sur ce côté-là. Donc là, j'oblige totalement à défendre sur son côté, quoi. Il est pas bien. Là, t'aurais presque pu finir avant une minute de fin. Ça aurait pu C'est faire. ça. À ah, quoi que je dis ça, bah non, en fait, non, parce que de toute façon, ça fera pas 3, donc non, on aurait dû attendre. Donc, hop là. Donc là, on va. Une bêtise, mais enfin, prendre la tourelle, c'est ça que je voulais dire. La première. Là, il envoie du monde, mais On ça zappe va. tranquille, on foudre. Et Ouais, non, c'est fini, c'est très bien. on C'est peut très très poser le bien. téléphone et on a Tu gagné. peux poser une fournaise chez lui, voilà, lui dire salut. Mais bon, c'est pas gentil. Il avait l'air sympa, il a l'air sympa, donc pas besoin de. Il faisait des petits sourires gentils et tout, il a l'air cool. Voilà, là, c'est le mode PLS. Hop là. Bon bah c'était voilà, là on l'a bien senti, bien stable là le deck sur celle-là. Voilà, petite foot sur le C'est ça, côté. c'est Salut. le quand pour gagner, même si on a un deck genre ou pas très bon, c'est en imposant nous notre rythme, c'est on gagne la partie, gagner déjà 50%. Quand l'adversaire il part sur un côté et qu'on arrive à le forcer à changer de côté, c'est déjà qu'on a un avantage sur lui, je sais pas comment expliquer. Quand on le domine, voilà. C'est-à-dire qu'on le domine et quand après Ouais, si on. c'est-à-dire oui, c'est-à-dire avoir bah, un peu la possession de balle comme on dit au foot, hein. C'est ça. Et Donc après, c'est toi qui imposes la quindance, donc voilà. dès qu'on a la possession de balle, ben on a juste à prendre notre temps, à bien jouer, normalement, ben, le but, il arrive tout seul. Bon bah voilà, ça fait un petit deck 3.3, donc le miroir voilà, il comptera pour je sais pas Donc combien. foudre, c'est comme vous le sentez, foudre ou boule de feu. J'avais testé avec boule de feu. Et ben, comme les bâtiments reviennent de plus en plus, donc bâtiments, je parle donc les spawners, enfin les spawners, la fournaise, la tombstone ou les barbares et tout, le foudre peut être pas mal. Et Ouais, après la bah je boule de pense qu'il est bien feu. comme ça.
Non, non, il est bien comme ça. Et voilà, donc vous avez vu les petits miroirs sur la fournaise ou sur le mineur, voire même... ouais, non, si, voilà, si c'est surtout ces deux-là hein, qui vont Ouais, être dans ton jeu. principalement mineur fournaise, sauf si on a besoin vraiment de défense aérienne, on peut faire deux gargouilles, deux mousquetaires. C'est chaque situation, mais généralement c'est deux fournaises ou deux mineurs. Mais c'est comme certaines vidéos où je voyais les commentaires là de ouais, mais toi tu fais ça et tout, mais nous quand on joue, c'est pas les mêmes situations, et quand je fais ça, je me prends 3 étoiles. Oui, enfin, faut être un Ah moment. ben, mais à un moment Faut donné, il être faut logique, quand quoi. même... Tu vas pas mettre ton mini PK à gauche quand le mec il t'attaque à droite, hein. Ouais, et puis c'est un peu aussi pour ça qu'on vous montre cette vidéo. Vous avez la format, on est à 20 minutes là, donc vous avez vu plusieurs games, plusieurs situations, différents decks. Moi j'aime bien quand il y a différents decks, comme ça vous voyez un petit peu comment ça rend face à ces diverses situations, les différentes mécaniques de défense et aussi les différentes mécaniques de push qui peuvent changer aussi en fonction de la situation. Faut rester lucide, donc quand on joue, faut. Ouais, voilà, mais je peux les comprendre dans la mesure, ils n'ont pas vu après tout le monde, donc c'est pour ça qu'on essaie de regarder bien les games, refaites, relire, re-regarder la vidéo éventuellement sur certains bouts, Bah, tu faites arrêt vois. sur image, voyez les mécaniques de défense qu'il emploie sur un cas de figure, parce que c'est souvent ça qui vont donner des clés par rapport aux différents decks que vous allez rencontrer en face. Faut pas me recopier en fait, faut s'inspirer et dire il a joué comme ça, c'est pour telle raison, parce que les situations seront jamais les mêmes. Et si on essaye de. Parce que le style de jeu est propre à chacun, enfin, personne peut avoir le même style de jeu que moi, donc enfin personne. Enfin, c'est un peu dur d'avoir le même style de jeu sur deux personnes, mais faut trouver le sien, et faut le sentir, quoi. C'est vrai qu'en regardant des pros, des mecs qui sont quand même calés, ça aide, mais c'est pratiquer en fait. Faut pratiquer, et en pratiquant, on devient meilleur, quoi. En forgeant, on devient bûcheron. La C'est légendaire. ça. Merci Madino, on te dit à Merci très à vite toi. et on attend ta chaîne, hein, comme d'hab. C'est ça. A très bientôt les amis, petit pouce bleu si vous avez apprécié et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.